Nous avons mis les Sarrasins en déroute. Nous les avons chassés de Saint-Gendarme. Je vous en prie, messire, juste quelques pièces, pitié! Ma famille n'a rien à manger. Donnez-moi quelques pièces. Un peu d'argent. J'ai faim. Il faut que je trouve de quoi manger. T'as rien à faire ici. Il n'a rien à manger. Donnez-moi quelques pièces. Un peu d'argent. Arrête, j'ai faim. Il faut que je trouve de quoi manger. Sale voleur. Je te ferai trancher la main. Je n'aime pas être dérangé. Non, ne partez pas comme ça, s'il vous plaît. Visage mes familles. Sale voleur. Je te ferai trancher la main. Arrête, un peu d'argent. J'ai faim. Sale voleur. Je te ferai trancher la main. C'est trop facile. Je préfère ne pas voir. Oh, garde-toi. Tu es ridicule. Tu m'arrives pas à la cheville. Il se croit plus fort que nous. Tu ne t'échapperas pas. Finiras, Gottes. Bist der Teufel! Er war ein Diener Gottes! In die Schapata! In die Rache Gottes! Ma colère sera terrible! Je vais t'étriper! Merci pour votre gentillesse. Je vous revaudrai ça. J'en fais serment. Mon Dieu. Que s'est-il passé ici? Je vous en prie, messire, qu'est-ce que c'est? Quelques pièces, pitié! Qu'est-ce que c'est?
Comment vous allez on va se faire tuer. Croyez-moi, vous allez mourir. Allez. Les paysans, ils ne savent pas se battre. J'ai besoin d'argent, mon brave. Je suis malade et je crève de faim. Chirurgien qui administre les hospitaliers. Garnier de Naplouse n'a pas d'égal. Je vous en prie, ne me faites pas de mal. Garnier entend vos pleurs et vos plaintes. Mais attention, le moins. Il se moque de votre souffrance. Ce n'est ni juste, ni vrai. C'est un homme de grand talent. Ce n'est qu'un homme. Garnier entend vos pleurs et vos plaintes. Vous dites qu'il se moque de votre souffrance. Ce n'est ni juste, ni vrai. C'est un homme de grand talent. J'avais vu quelqu'un d'aussi irresponsable. Habitants d'Acre, écoutez attentivement. Garnier de Naplouse est un homme bon. Il est là pour vous aider. Il a fait la promesse de se mettre au service des autres. Et il la tiendra. Mes amis, bientôt, ce bon médecin répondra à vos besoins. Soyez patients. Gardez l'espoir. Vous êtes nombreux à avoir besoin d'aide, et il est seul. Il travaille sans relâche pour soulager son prochain. Laissez-lui du temps. Ridicule.
Pitié, pitié, ne me tuez pas, je ferai ce que vous voudrez. Tu sers Garnier ? Il m'oblige à tenir ce discours pour que les habitants ne se révoltent pas, pour qu'ils gardent espoir et voient en lui leur sauveur. Dis-moi tout ce que tu sais sur cet homme. Oh oui, bien sûr. Je sais ce qui se passe à l'intérieur. Ce qu'il fait vraiment. Continue. En arrivant, ils sont en bonne santé. Ce n'est qu'une fois passé entre ses mains qu'ils se mettent à souffrir. En fait, cet homme ne guérit rien. Il est juste malade et cruel. J'ignore ce qu'il leur fait pour qu'ils hurlent aussi fort. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut mettre un terme à toutes ces souffrances. Vas-tu l'arrêter ? C'est pour cela que tu vis toujours. Il use de prudence. Tu devras bien choisir ton moment. Tu pourras l'approcher lorsqu'il s'occupe de ses patients. Il est tellement pris qu'il en oublie le reste. Oui, c'est à ce moment-là qu'il faut agir. Je te remercie pour ces informations. Tu vas me laisser partir ? Si je le pouvais. Je veux savoir où est celui. Mais qu'est-ce qui t'est passé ici? Qui a fait ça? C'est de mauvaise augure. Mais il n'a rien à manger. Donnez-moi quelques pièces. Je vous en prie, messire, juste quelques pièces, pitié. Non, ne partez pas comme ça, s'il vous plaît, juste quelques Va-t'en, pièces. Va-t'en, paysan, ou je te botte le train. Pour l'amour de Dieu, mais que voulez-vous de moi ? Regarde devant toi! Au diable, Saladin! Au diable, son peuple! Nous sommes venus en paix jusqu'en Terre Sainte pour répandre la parole du Seigneur. Mais ces hommes n'ont pas de succès.
Ils ont refusé de faire de Dieu leur sauveur. Vous trouvez que ce sont des malins? Eh ben pas moi. Ma famille n'a rien à manger. Donnez-moi quelques pièces. Tu as appris pour Alain? L'archer qui garde l'aile est? Son frère, le pauvre diable, a reçu une flèche dans la gorge. Je doute qu'il passe la nuit. Il parvient quand même à rester à son poste? Il lui rend souvent visite, alors je le remplace quand je le peux. Pas en ce moment. Non, j'ai des choses à régler. Des affaires de famille. Alors espérons que le médecin n'apprenne pas sa désertion. Il n'en sera rien. À moins que tu ne lui dises. Ne t'en fais pas. Votre secret sera bien gardé. J'ai besoin d'argent, mon brave. Je suis malade et je crève de faim. Vous ne comprenez pas, mais je suis... Un peu d'argent. J'ai faim. Il faut que je trouve de quoi manger. Notre soutien. Richard et ses hommes ne pourront libérer la Terre Sainte. Faisons de notre mieux pour les aider à défendre leur cause. Ce problème doit être réglé maintenant. Il faut remplacer ces cordes, elles sont rongées. Si nous attendons encore, nous risquons l'accident. J'ai compris, mais j'ai aussi plusieurs maisons à reconstruire. Les habitants, je m'en moque. Ils ne sont bons qu'à geindre et à se plaindre. Les chevaliers, eux, se sacrifient afin que nous puissions vivre en paix. Mais ils ne savent pas où aller et les pluies arriveront bientôt. Je ne te le redirai plus. Obéis aux ordres ou tu seras mis au fer. Oui, maître. Enfin des paroles sensées. Bien, tu as les plans, alors maintenant, mets-toi au travail. Alors, je vous le dis, repentez-vous. Prosternez-vous devant lui et confessez vos péchés. Sachez que Dieu veille sur vous. C'est sa main qui guidera nos soldats jusqu'à la victoire. D'abord à Saint-Jean-d'Acre, et bientôt à Jaffa. Quand on court sans regarder devant soi. Ne recommencez pas. Il va finir par se blesser. Et qu'il ne compte pas sur moi pour l'aider. Il est bizarre.
vous en prie, messire, juste quelques pièces, pitié. Un peu d'argent. J'ai faim. Il faut que je trouve de quoi manger. Vous pouvez me donner un peu d'argent? Ma famille n'a rien à manger. Donnez-moi quelques pièces. Ces enfantillages, ce n'est plus de son âge. Pas un problème. Jean, mon brave, je suis malade et je crève de faim. Je n'aime pas être dérangé. Je vais te terrasser, cher. Non, ne le parcours comme ça. Je vous en prie, ayez pitié. Qu'as-tu donc là? Le sieur n'avait point de pièce, juste un tube. Tout ce que j'ai trouvé dedans, c'est un morceau de papier avec des choses dessinées dessus. Espèce d'idiot, ce sont des mots et des lettres. Pourquoi cet homme-là a mis des mots et des lettres dans un tube? C'est du gâchis, je te dis. C'est peut-être important. Donne-moi ça, que j'y jette un œil. Oh, ça sûrement pas. Tu me le chipperas pas comme l'autre fois. Faut pas s'énerver. Amuse-toi tout seul, alors. Savoir. Mais qui a fait ça? Cette mauvaise odeur. Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Il court trop vite, il va blesser quelqu'un. D'argent, mon brave, je suis malade et je crève de faim. Quelques pièces, c'est tout ce que je demande. Altaïr, il en a après moi. Il m'a vu. Il me tuera, moi, ma femme et mes enfants. C'est terrible. Tu es venu abréger mes souffrances? Non? Al-Mualim est capable de compassion, finalement. Tu veux bien m'aider? Un chevalier de l'hôpital me recherche. Si tu l'élimines, tu rendras un grand service à un pauvre frère. Je suis arrivé ici quand les croisés ont assiégé Acre. J'ai sûrement des informations qui pourraient t'intéresser. J'ai besoin d'argent, mon brave. Je suis malade et je crève de faim. Oh mon brave, je suis malade et je crève de faim. Donnez un peu d'argent. Non, ne partez pas comme ça, s'il vous plaît. Juste quelques pièces. C'est fait. Il est mort. Tu as gagné ma gratitude éternelle. Je vais te dire ce que je sais sur Garnier de Naplouse, grand maître des hospitaliers. Il laisse ses patients déambuler dans les salles de sa forteresse. Mais personne, mis à part quelques érudits, n'est autorisé à pénétrer dans son espace de travail. Des archers postés sur les toits gardent l'accès. Je suis sûr que grâce à ces informations, tu expédieras Garnier en enfer.
Quelques pièces, c'est tout ce que je demande. Ma famille n'a rien à manger. Donnez-moi quelques pièces. Un peu d'argent. J'ai faim. Il faut que je trouve de quoi manger. Ne vous gênez pas! Je préfère du moins de ça! Pourquoi le passe-t-il? Ça ne va rien! Je vous en prie, messire, juste quelques pièces! Je vous en prie, messire, juste quelques pièces, pitié! Bonjour, l'ami! Tu peux faire quoi que ce soit pour t'aider? Quoi? Altaïr, as-tu découvert où Garnier se cachait? Je sais quand et comment agir. Très bien, alors je t'écoute. Il vit et travaille dans l'hôpital de son ordre, au nord-ouest. D'après la rumeur, des atrocités seraient commises dans ses murs. Ce bon médecin se plairait à faire des expériences sur des prisonniers innocents, et qu'il a pour la plupart enlevés à Jérusalem. Il est malin. En faisant venir ses cobayes d'une autre ville, il évite d'éveiller les soupçons ici. Pour en revenir à notre affaire, comment comptes-tu agir? Garnier a installé ses quartiers au sein même de l'hôpital, mais il en sort de temps en temps pour examiner ses patients. Je profiterai d'une de ses visites pour intervenir. Je vois que tu as pensé à tout. Continue, tu as mon accord. Débarrasse Acre de cette vermine, Altaïr. Sans doute cela t'aidera-t-il à y voir plus clair. Repose-toi ici jusqu'à ce que tu sois prêt à partir. Avance rapide vers une séquence plus récente. Vous pouvez me donner un peu d'argent? Ne reste pas là. Rien à manger. Donnez-moi quelques pièces. Il va finir par se blesser. Et qu'il ne compte pas sur moi pour l'aider. J'ai tout ce que tu cherches.
Je ne sais pas ce que tu cherches, l'ami, mais je l'ai forcément. Quelques pièces, c'est tout ce que je demande. Non, à l'aide! Aidez-moi! Aidez-moi! Pitié! Vous devez m'aider! Il suffit, mon enfant. Je t'ai demandé de remettre le patient d'aplomb, pas de le tuer. Allez. Maintenant, tout va bien se passer. Donne-moi ta main. Ne me touchez plus! Pitié! Évacue cette peur. Sinon, je ne pourrai pas t'aider. M'aider? Comme vous avez aidé les autres! Vous avez pris leurs âmes! J'ai vu! J'ai vu! Mais pas la mienne! Non! Vous aurez pas la mienne! Un peu de tenue. Tu penses que j'ai plaisir à faire cela? Que j'ai envie de te faire mal? Tu ne me laisses guère le choix. Il parle avec bonté, mais ne dit que des mensonges. Il attend qu'une chose en vérité. Il veut que tout le monde se prosterne devant lui. Tu n'aurais pas dû faire cela. Ramenez-le dans ses quartiers. Je vous rejoins dès que j'en ai fini avec vous. Vous ne me garderez pas. Je m'évaderai encore. Non, je ne pense pas. Brisez-lui les jambes. Allez. Je suis désolé. Vous n'avez donc rien de mieux à faire ? Comment avez-vous fait cela? Je connais mon métier. Alors, le pire est passé. Je suis si là. Va-t'en, mendiant. Vous auriez quand même pu faire attention. Les jambes! Misérable! Vous m'avez brisé les jambes! Pour votre bien, vous alliez vous enfuir. Où donc, d'ailleurs? Laissez-moi tranquille! Un jour, nous rirons en repensant à tout cela. Je vous tuerai! Oh, ça joue! Comment te sens-tu? Mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Oui, c'est douloureux au début. J'en suis conscient, mais c'est le prix à payer. Avec le temps, tu comprends. Vous êtes un monstre. J'ai déjà reçu de pires injures. Ah!
Soulage ta conscience. Ah, alors mon heure est venue. Le repos éternel m'attend. Mais avant que mes yeux ne se ferment, je dois savoir, qu'adviendra-t-il de mes enfants ? Tu parles de ces gens que tu soumets à tes expériences cruelles ? Ils seront libres de regagner leur demeure. Leur demeure ? Quelle demeure ? Les égouts ? Les maisons de plaisir ? Les prisons dont nous les avons tirés ? Tous ces gens sont là contre leur volonté. C'est vrai. Mais sont-ils en mesure de manifester leur volonté ? Es-tu vraiment si naïf ? Laisserais-tu un enfant jouer avec le feu pour lui faire plaisir ? Au risque ensuite de devoir soigner ses brûlures ? Qu'en penses-tu ? Le laisserais-tu faire ? Ah. Ne vaut-il pas mieux prévenir que guérir ? Ce ne sont pas des enfants, mais bien des adultes responsables. Physiquement peut-être, mais pas intellectuellement. C'est exactement ce que j'essaie de réparer. J'admets que sans l'artefact que vous nous avez volé, mes recherches ont progressé moins vite. Mais il me reste les mélanges et les extraits d'herbe. Cela fonctionne, mes gardants sont la preuve. Tous ils étaient malades avant que je ne les trouve et les libère des prisons de leurs propres esprits. Ah, et avec ma mort, malades ils redeviendront. Vous croyez vraiment que vous les avez aidés ? Non, ce n'est pas ce que je crois, mais ce dont je suis sûr.
essoufflés. Tu m'échapperas pas. On ne peut jamais avoir. C'est fini pour lui, va voir dans une impasse. Venez, c'est toi, t'as aucune chance. Qu'est-ce que tu fais? Écarte-toi. Je vais t'attraper. Tu es un homme mort. Vous êtes tous morts. Tu es un homme mort. Vous êtes tous morts. Je vais te rattraper. Tu n'as rien à faire. Va-t'en. Tu n'en sortiras pas comme ça. Envoie, t'as aucune chance. C'est fini pour lui. Va droit dans une impasse. Tu es l'assassin. Tu m'échapperas pas. De lutter contre ces mécréants pour nous défendre. Tu crois pouvoir me traverser? Prends quoi? T'as aucune chance! Non! Tu m'échapperas pas! Allez, écarte! Fais tes prières maintenant. Rien à faire ici. Fiche le camp. J'ai besoin d'argent. Ne reniez pas vos convictions. Ah, un assassin. Arrêtez-le. Tuez-le. Tu pourras pouvoir le semer. Tu finiras par sortir de ton trou. Vous l'avez trouvé. Il est là. Il va s'essouffler. Il est pas loin, je le sens.
Va au diable. Tu perds rien pour attendre. Quelle nouvelle, Altaïr ? Garnier est mort. Alors regagne Masyaf pour faire savoir à tous que tu as réussi. Il y a autre chose. Alors parle ! Je ne lis pas encore dans les pensées. À ton avis, que leur voulait-il vraiment ? Pourquoi les retenir prisonniers et faire ces expériences sur eux ? Ta tâche n'est pas de t'interroger, mais d'agir, Altaïr. Une seule chose importe maintenant. Qu'il soit mort. Mais pourtant, Garnier avait l'air de croire qu'il aidait ces gens. En as-tu été témoin ? Non. Moi, je n'ai vu qu'un lieu de calvaire et non de soins. Alors pourquoi avons-nous cette conversation ? J'en sais rien. Oublie ce que j'ai dit. Pour moi, c'est déjà fait. Avance rapide vers une séquence plus récente. Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est la signature thermique. Je crois que l'animus est en surchauffe. Il y a toujours quelque chose qui cloche. Ce sera long. C'est trop tôt pour le dire. Ces retards sont inacceptables, mademoiselle Stillman. Je compte sur vous pour me tenir au courant. Ça risque de prendre un moment, Desmond. Tu devrais t'allonger et te reposer un peu. T'en as pas marre qu'il te crie dessus ? Après tout, c'est sa machine. Il l'a seulement conçue, pas construite. Qui l'a construite ? Toi ? Non. Abstergo a une équipe d'ingénieurs. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas, d'ailleurs ? Mais j'ai tout supervisé. C'est sûrement pour ça qu'il s'en prend tout le temps à moi. Un vrai pitbull. Il est sous pression. Comme nous tous ici. J'arrive pas à croire que tu prennes sa défense. Warren m'a sauvé la vie. Alors s'il a besoin de se défouler, ça m'est égal. Comment ça, il t'a sauvé la vie ? Tu n'es pas seule à ne pas rentrer chez toi le soir, figure-toi. Attends, toi aussi, tu es prisonnière ? Quand ils m'ont contactée, je finissais mon doctorat. L'université m'avait clairement fait comprendre que je n'avais pas d'avenir. Mes travaux ne les intéressaient pas. Ils n'y voyaient aucun intérêt scientifique. S'ils me gardaient, leur réputation en souffrirait. J'ai postulé dans des universités et des entreprises. Mais partout, c'était la même rengaine. J'étais complètement fauchée. Je me voyais déjà finir comme serveuse dans un bar. Et puis j'ai reçu une lettre. C'était Vidic ? Il suivait mes travaux depuis mon inscription en licence. Mes recherches l'intéressaient. Il voulait me rencontrer, me parler de ma carrière. J'ai commencé à reprendre espoir et j'ai accepté. De toute façon, je n'avais rien à perdre. Et il t'a proposé un job ? Exact. Au sein d'Abstergo, sur le projet Animus. J'allais enfin pouvoir vérifier mes théories et prouver à mes professeurs qu'ils avaient tort. Je ne pouvais pas refuser. Ça n'explique pas de quelle façon tu t'es retrouvée prisonnière. Parfois, je me demande s'ils n'ont pas tout manigancé depuis le départ. Si ce n'est pas eux qui m'ont poussée à bout. Ils en sont capables. Ils sont capables de tout. Je n'ai pas réfléchi en acceptant leur offre. Pourtant, ils m'avaient mise en garde. Pendant 6 mois, 1 an peut-être, pas question de sortir d'ici. Ce projet était ultra confidentiel. En attendant... Je devais me considérer comme leur invité. Du moins, c'est ainsi que les choses m'ont été présentées. Et une fois l'animus opérationnel ? 3 types sont venus me chercher pendant mon sommeil.
Ils étaient armés. Ils m'ont tiré du lit. C'était d'autant plus terrible que je les connaissais. Avec l'un d'eux... Ils plaisantaient entre eux. C'est quand j'ai essayé de me débattre qu'il m'a frappé. Ensuite, il m'a dit que j'allais mourir. Waouh ! Qu'est-ce que t'as fait ? Je me suis dit que c'était un mauvais rêve. Et puis, Warren est arrivé. Il leur a ordonné de me laisser tranquille. Alors ils sont partis. Eh bien ? Warren n'est pas un homme heureux. Je crois même qu'il a mauvais fond. Mais il m'a sauvé. Il m'a assuré que ça ne se reproduirait plus. Et ils ne sont jamais revenus. Mais t'es toujours coincé ici à faire son sale boulot. Au moins, je suis en vie. Quoi qu'il en soit, je dois vraiment remettre l'Animus en état. À demain, Desmond. Tu n'es pas fatigué ? Tiens. Quelqu'un est venu ici ? On dirait un code d'accès. Debout, le soleil brille. Nous avons du travail qui nous attend. Vous avez l'air bien luné ce matin. Mademoiselle Stillman a apporté quelques modifications à l'Animus. Dorénavant, vous pourrez rester à l'intérieur plus longtemps. Et reprendre votre petite chasse au trésor. Tout ceci est très sérieux, Monsieur Miles. Je crois que vous n'appréciez pas à leur juste valeur les efforts déployés par Abstergo. Peut-être parce que je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe ici. Nous changeons le monde, chaque jour, de mille manières différentes. Saviez-vous que depuis plus de 1000 ans, c'est à Abstergo et à ses prédécesseurs que l'on doit les plus grandes découvertes de la médecine, de la mécanique et de la philosophie? Vous y allez fort, non? Vous ne croyez pas que vous exagérez un tout petit peu? Ah, le moins du monde. Oh, bien entendu, nous évitons de le crier sur les toits. Cela éveillerait trop de suspicions. Ceux qui profitent de ces avancées sont triés sur le volet. Comment ça? C'est pourtant simple. Tout est sous notre contrôle. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que vous valez mieux que le commun des mortels?
C'est pas parce que vous avez inventé tous ces trucs qu'il faut prendre la grosse tête. Pour être honnête, nous ne les avons pas inventés. Nous les avons trouvés. Trouvés ? Ils nous ont été confiés, Monsieur Miles. Par ceux qui nous ont précédés. Nous reprendrons cette conversation plus tard. Le temps presse. Bonjour, Desmond. Ouais. Salut. Ça ne m'amuse pas, Monsieur Miles. Allongez-vous.